la roue tourne un peu de notre côté de temps en temps. Ce but à la fin n'était pas inespéré parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais ça a le mérite de concrétiser un peu votre domination contre Dizy Toulousain. C'est vrai que ça a été vraiment, vraiment à l'arraché. On l'a fait vraiment à la dernière minute, ça a été très difficile. Maintenant, voilà, le plus important a été fait. On a les 3 points et on va retenir que ça, je pense, ce soir. Après beaucoup de matchs nuls, la joie était à hauteur du soulagement aussi, j'imagine, d'enfin gagner, apporter ces 3 points. C'est pour ça, on savait que c'était très important, voilà, de prendre 3 points. C'est vrai qu'en faisant des matchs nuls, on montre qu'on est solide, mais on n'avance pas beaucoup. Donc voilà, on a ces 3 points, c'était très important. Maintenant, on avance un peu plus au classement, on se rassure et voilà, c'est de bonne augure pour la suite aussi. Il y a eu un peu de doute après l'ouverture du score ou qu'est-ce que vous vous êtes dit De doute, non, parce que honnêtement, on n'était pas du tout en danger. On prend cette frappe de loin, un peu inespérée pour eux. Je pense qu'on avait quand même la maîtrise du ballon, on se crée des occasions. Après, voilà, on prend ce but. On a la chance d'égaliser assez vite, donc c'est vrai que pour ça, pour éviter le doute plus longtemps, ça a été une bonne chose. Maintenant, voilà, ça a été une deuxième mi-temps très, très compliquée. Mais bon, comme j'ai dit, on va retenir que cette victoire et ce but à l'arraché à la fin. Bon, un but d'un attaquant et de Giovanni qui n'avait pas été en réussite. J'imagine que vous êtes heureux pour lui aussi. Bien sûr. Ça peut être un déclic. Bien sûr, c'est important. Il a montré qu'il était présent, encore mentalement, à y croire jusqu'au bout. Hein. 15e. C'est ça, c'est surtout ça, l'état d'esprit. Et voilà, de réussir à marquer vraiment à l'arraché, c'est aussi bon pour le moral, pour dire que... On avait le courage aussi d'aller chercher ses points. Pas le temps de savourer à Lorient déjà en Coupe de France et carrière. C'est ça, on a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. C'est vrai que voilà, faut penser à très vite récupérer. Tout s'enchaîne et on n'a pas beaucoup de temps en ce moment de travailler. Ce sera que de la récup et on va essayer de continuer l'aventure en Coupe de France. Ce sera une très bonne chose aussi.